faut attendre de voir tous les effets du choc avant de commencer à parler du choc. Pour aujourd'hui, nous sommes à moins de 10 jours du choc, du point d'impact initial. C'est trop tôt pour parler. Mais la réalité, elle est où? La réalité est que dès le lundi, toutes les administrations à Conakry étaient fermées, publiques et privées. À partir du mardi, quelques administrations publiques et privées ont commencé à ouvrir. À partir du mercredi, jeudi, nous avons commencé à avoir beaucoup plus de monde. Et ça veut dire que les activités ont repris progressivement. Nous espérons que cette reprise va s'amplifier à partir de la semaine prochaine, mais nous ne pouvons pas déjà dire que l'activité reprend. Parce qu'il faut avoir le recul pour venir. Il y a une bonne partie des Kaloum qui n'est plus accessible en attendant de faire les évaluations nécessaires. Il y a aussi le fait que nous sommes en fin d'année et que l'événement a certainement précipité les voyages de certaines personnes qui ne sont pas sur place. Donc oui, la tendance que nous observons depuis mardi est encourageante, mais nous réservons notre jugement par rapport à la reprise en attendant d'avoir un suffisamment de recul. Je vous remercie.